Requin. Attends, attends, il a dit requin, il a dit requin. Requin shark. Attends, attends. C'est vrai? Oh là là. Kenzo, je vais l'avoir. Je te choque pas, je te choque pas, les gars. Let's go, let's go. Oh là, oh là. Oh. Requin marteau. Ok, les gars, je me mets là et on va pêcher du requin. On est refait de ouf. Regarde mon inventaire. Oh là là. Je vais faire des allers-retours toute la night. J'ai peut-être un plan incroyable pour aller sur l'île de quelqu'un qui est en hémisphère sud. Donc on va pouvoir aller choper les poissons de l'hémisphère sud. Donc on va essayer de choper du requin au maximum, ce genre de truc. Alors attendez, je vous montre l'intérieur de chez moi pour ceux qui auraient pas vu. Parce que franchement, on s'est amélioré de ouf. J'espère qu'on va réussir à pêcher un bar aujourd'hui. Vas-y, ta gueule. Alors voilà l'intérieur de chez moi. J'ai un petit endroit pour manger avec des chaises de salon que m'a donné Yoshi. J'ai tout qui est bien. J'ai le petit mouchoir à côté de mon lit pour me brûler. J'ai un lit pour les amis. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pour me moucher quand je suis malade, évidemment. Attendez un petit peu, parce que là, je sais que vous êtes tous en train de vous dire, c'est incroyable, j'ai rarement vu une telle qualité de décoration intérieure. Mais vous n'avez pas tout vu. Regardez ce que Yoshi m'a donné pour ce soir. Tous les appâts que Yoshi m'a filé pour cette soirée pêche. Regardez ça, tous les appâts. Et sachant que j'en ai filé 20 à massue. Non, 30 à massue. Putain, pourquoi j'en ai filé autant? 110 appâts, messieurs, dames. Et ah oui, je t'ai gardé des cerises, Yoshi. J'en ai là, j'en ai en banque. Enfin, en banque. Elle a mes cerises pour toute la vie. C'est un peu bizarre. Bref, vous avez compris, quoi. Vous avez compris. C'était mieux quand t'avais que 400 vues. Ouais, je trouve aussi, je trouve que ça change vraiment le contenu. Je me dis là, putain, maintenant qu'il y a des gens qui regardent et que je peux vivre grâce à ça et tout, c'est vraiment moins bien, je trouve. C'était grave mieux quand je galérais à vivre et tout. Vous trouvez pas, vous? Mesdames et messieurs, le train de la hype entre en gare. Le train de la hype entre en gare. Voie 4, attention à la bordure du quai en descendant du train. J'ai géré, c'est ma première annonce bien faite. Elle était parfaite, tout était bien. C'est quoi le train de la hype? En gros, c'est les gens qui soutiennent pendant un laps de temps défini. Et plus il y a de soutien pendant ce laps de temps, plus je suis riche. Et plus du coup vous avez des nouvelles émotes pour vous récompenser de m'avoir rendu riche. J'ai le bonheur de vous annoncer qu'on peut partir à la conquête de l'hémisphère sud. Ça dit le code à haute voix. Ah oui, c'est vrai. Attendez, heureusement que vous êtes là, parce que c'est vrai que tout à l'heure, l'autre fois, on a failli avoir le problème en plus. Brah. Ok, j'ai couvert le bruit de la dernière lettre au cas où. Attends, j'avais un doute. J'avais un petit doute. J'ai acheté un petit bleu par-dessus. J'ai pas trouvé d'autre truc pour couvrir le son. Claire, envoie-moi s'il te plaît par message ton code ami. Comme ça, je t'ajoute ami parce que moi j'ai bloqué les demandes d'amis. Parce que j'ai montré mon code ami en live sans faire exprès. Je suis trop con. Les gens, c'est qui Claire et Kenzo? C'est des proches parce qu'ils ont fait une île à l'hémisphère sud. Et on est parti pour choper du requin marteau, du requin scie, du requin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir son île? Tu peux venir ici. Sans qu'on te voit. Mais bouge pas plus, hein. Y'a Johnny qui a envie de voir. Ah, attends. Je lui dis bonjour, je prends ma canne à pêche et on commence, les gars. Alors là, je vais pas tourner autour du pot, là. Oh là 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 là, mais mec. Qu'est-ce que ça, le bestiaux? Ils ont les requins et tout. Merci de m'accueillir, en tout cas. Je sais que vous êtes sur le live. Merci de m'accueillir sur votre île. Oh! Allez, hop, on commence déjà. Un poisson qu'on n'a pas. Là, c'est un poisson de murène, ça. Ça, c'est une murène, les amis. Alors là, on est en plein exotisme. Hop là, on commence. Deuxième poisson qu'on n'a pas. Aïe, aïe, aïe. Oh! Poisson porc épic. Alors là, c'est rare, ça. Non, non. Bof, nul. Non. Ça me fait mal au cœur. Trop chou, Johnny. Bah, elle est à côté, là. Regarde. Elle me regarde pêcher. Ah, ils ont aussi des barres communs ici. Ça me tend, là. De quoi, c'est pas Kenzo, c'est Claire qui est sur le compte. Ok. Merci, Claire. C'est Claire qui ralasse. L'été, merci pour Claire dans le chat, s'il vous plaît. Mais attendez, mais c'est rare, ça. Là, tout a une gueule de poisson rare, genre. Claire, c'est rare ou pas, ça? C'est rare ou pas? Oh, mais c'est quoi, ça? Papillon rare. Mais attends, mais. Non! Ok, c'est pas ce que tu crois. Regarde, qu'est-ce qu'elle fait? Claire, ça va? Claire? Je crois que ta connexion, elle a un problème. Chérie, tu me stresses. Va voir le live. Prends la tablette, regarde le live si tu veux. J'ai Johnny qui m'observe et tout, genre j'ai pas le droit à l'erreur. Si je loupe un poisson, je change et me prendre un coup de poil. Tilapia. Il habite dans l'antique lapier. Allez, hop. Oh merde, j'ai couru dans ses fleurs. Bon, vous lui direz rien, d'accord? Vous dites rien, le chat, je vous fais confiance, hein. On voit ton live. Eh merde, bon, j'ai pas fait exprès pour les fleurs. Mais c'est un requin, c'est un requin! C'est un requin encore! Oh! C'est un requin baleine! Oh yes! Pas rare. Attends, mais sûr, il y a des poissons requins pas rares? C'est quoi? J'ai eu un requin ventouse. Ça se passe quoi avec Mathieu? En gros, il y a eu une grosse embrouille. J'ai pas envie de rentrer dans les détails et tout, mais en fait, bah putain, j'avais pas envie d'en parler et tout. En fait, il est venu à la maison. Il m'a dit, mec, est-ce que t'as des œufs et tout pour faire un gâteau? Je lui dis, gros, bah, j'ai pas d'œufs pour faire des gâteaux. Et là, il a commencé à pencher la tête. Il a vu que j'avais des œufs. Et vu que c'est le confinement, je voulais pas lui donner. Ça me rendait fou. Je lui disais, gros, c'est mes œufs. Tu comprends pas que je dois faire mes biscuits. Comment je vais survivre sans les œufs? Et du coup, il m'a dit, Linka, tu me donnes les œufs. J'ai fait, alors là, Mathieu, déjà, tu vas reculer de deux pas parce que quand t'es aussi proche de moi avec le coronavirus, ça me donne envie qu'on se tape. Il me fait, ah ouais, il s'avance d'un pas, là il me prend un œuf. J'ai vrillé complet. Je peux vous dire que c'est parti en bagarre, en embrouille de ouf. J'ai dit, ok, bah nique ta mère. Et il l'a fait. Et depuis là, il n'y a plus rien qui va entre nous. C'est ça qui m'a le plus surpris, quoi. Quand j'ai dit, mec,
ta mère qui a commencé à dire bah d'accord et tout, je me suis dit waouh, là ça parle loin. En plus j'ai dit attends gros, tu peux pas faire ça parce qu'avec le confinement tu peux pas être aussi proche et tout. Elle m'a dit ouais t'as raison, et là on en est resté là. Mais on est en froid du coup, à cause de cette embrouille. Genre le biscuit c'est le Saint Graal, il abuse. On est d'accord Yoshi, franchement il déconne de ouf moi je trouve. T'as vraiment 3 ans mec. Bah oui. T'as enquêté sur moi ? Grandis peut-être avant d'enquêter sur l'âge des gens. Qui de qui vas-y connecte-moi à internet, là j'ai envie de partir et d'aller pêcher des poissons rares pour me détendre. Putain de stalker, ça rend fou. T'es une 2008 mec. La Peugeot ou l'année ? Tu veux dire quoi par là ? Va au bout. 1300 cheveux verts, non, j'avais dit 1500 subs les cheveux verts. Et je vous jure que je le fais. Mais par contre, je l'ai dit parce que je pensais qu'on le ferait jamais. Donc on n'est pas obligé. On peut s'arrêter à 1490 si vous voulez. Vraiment, vous forcez pas quoi pour les cheveux verts. C'est pas comme si en gros, j'en ai pas envie. Ça me dit pas trop d'avoir les cheveux verts. Ça irait bien avec le fond vert. Mais justement, la blague, c'était si j'ai 1500 subs, je me mets les cheveux verts comme le fond vert pour que ma tête disparaisse quand je stream. Et en vrai, j'ai vraiment pas envie. Donc s'il vous plaît, si on pouvait éviter, moi je dis pas non. En vrai, si je fais ça, je pense que ma mère, elle me renie peut-être. Oh non, j'ai choqué. Elle me tape. Mais Claire, en vrai, tu peux faire ta vie hein, si tu veux. Elle se prépare à me mettre un coup d'épuisette. Elle se prépare, ouais, elle a sorti l'épuisette en mode je vais lui mettre voilà le coup dans la gueule. Et merci Naroxy, pardon, pour les 200 bits. Bonsoir, tu laisses une petite place pour pêcher les requins. Je suis un ami propriétaire de l'île et j'y ai accès. Je suis pas méchant. C'est bon, t'inquiète, t'as le droit de venir si tu veux. Y'a aucun souci. Du moment qu'on me laisse tranquille faire mon live et pêcher mes requins sans me mettre des coups d'épuisette quand je choque, ça me va. Ok, let's go. Je choque pas. Je me concentre au son. Non ! Mais. Oh la vie de ma mère! Oh Naroxy, je vais te démarrer! Oh putain, mais j'ai envie de crever là! Qu'est-ce qu'il y arrive à Damien? Il a un problème au visage, Damien? Pardon, je voulais pas. C'est bon, t'inquiète, je pense qu'il va réapparaître. Hein, pas vrai? Ok, mais il est peut-être pas réapparu. Je pense que c'est une des pires couleurs de cheveux possible. Pourquoi il vient me voir avec une hache là? Mais mec, on dirait vraiment furieux son perso. On dirait vraiment un malade mental. Et oh gros, ça va, je rigole. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu un poisson chum. Damien, fais voir ton poisson chum, j'ai envie de voir. T'es à la place de la mer. Ah, ok, d'ailleurs. C'est trop chiant d'écrire avec cette merde. Fais voir ton poisson chum. What the fuck, c'est quoi? C'est méga stylé, c'est quoi? Méga rare, Arapema. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des appâts pour moi. Non, alors là, oublie-moi, Damien. Si on faisait du troc, tu proposes quoi? 100 bits les 10 appâts. Non, c'est mort, jamais de la vie. Alors là, 1 euro pour 10 appâts, mais alors là, clairement pas. Quel escroc celui-là. Ok, j'ai eu direct. J'ai fait direct, je vous jure. Et c'est un gros. Oui! Oh, pardon. Oh, il est. Oh, c'est le. Yes, son. Nice. Ok, nice. Oh, ça m'a fait mal à la tête et tout. Tellement j'ai tressaillé de joie dans le cul. Arowana. Mec, ça a un nom rare. Là, avouez, c'est rare. C'est rare, oui. Oh là là, mais attends, mais on a une chatte de ouf en fait. Grave pété. Ah putain, je suis vraiment trop bien là. Je te fous le seum à tout le monde, gros. Je suis le mec le moins talentueux en pêche du monde et j'arrive à avoir tous les poissons, tous les trucs rares. Tu peux avoir la ramastu. La ramastu, c'est toute l'année par contre, je crois, les gars. C'est vraiment à l'année la ramastu. Ah, je l'ai eu tout à l'heure. Tada. Ça me fume. Tiens, il montre son petit poisson trop fier et tout. Tudu. Tu gagnes de l'argent avec le Prime? Ouais, je gagne de l'argent avec le Prime. Pourquoi tu crois que je suis aussi content? Ça me rapportait pas d'argent, je vous dirais pas de l'utiliser. Hein. Moi, je suis là que pour la thune. Enfin, vraiment, ça me passionne pas du tout. Twitch, ça me saoule. Je me force et tout tous les jours. Ou bien un métier facile où l'argent tombe tout seul de par la fenêtre, quoi. Ça, je pense que c'est un poisson correct, ça. Mais mec, ils ont peur de quoi par contre? Ils sont froussards, genre les poissons de l'hémisphère sud? C'est quoi ce bordel? Attends, mais c'est bugué là. J'ai jeté un truc pour rien. Attendez, c'est cassé le jeu? Et oh, les appâts? Non, mais y a plus de poissons. La mer elle est cassée, il a détruit l'écosystème. Non mais attendez, c'est grave. J'ai trouvé une fanfiction pour Massu et Joyka mais pas pour toi et Massu. Ah merde, c'est trop con, putain, j'adore moi lire les fanfictions et tout, ça fait chier. J'aime trop ça, lire des trucs de cul entre moi et tous mes potes. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Je suis blasé de qu'il n'y ait pas la fanfiction du coup. J'adore lire des trucs où on me dit que je suis Amixem et tout, c'est vraiment trop bien. Où il y a Amixem et Squeezie qui me touille le cul. Vraiment dommage, hein. Enfin, c'est con putain que j'ai. Du coup, il n'y a pas la fanfiction. Chier. Bon, je crois que je vais réussir à passer au-delà malheureusement. Mais continue celle de Masu et Joyka, je sais qu'ils kiffent. Magnifique ce kimono, même si ça a pris 20 ans. C'est vrai que ça a pris du temps, mais en vrai, il est trop beau. Hein. Je suis refait de ouf. Allez, vas-y, viens. Fais un effort. Putain, c'est pas possible. Je sens mon cœur qui palpite dans ma paupière et tout tellement ça m'exaspère là. Bah attends, mais c'est une blague ou quoi, putain de merde? Allez, c'est bon, je l'ai. Oh là là.
pour un truc qu'on a déjà eu. Putain de merde. J'en ai marre. C'est quoi un glandelet? En gros, le glandelet, c'est quand t'es un garçon. Tu perds ton gland, en fait. Ça fait hyper mal. C'est hyper douloureux. Genre, il y a des scientifiques et tout qui ont fait des tests de douleur, des trucs. Enfin, bref, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est aussi douloureux qu'un accouchement, voire plus. Bah, c'est hyper tabou. C'est pour ça qu'on entend très peu parler. Tu perds ton gland et t'as un nouveau gland qui pousse. J'ai perdu il y a 2 mois. Putain, ok, ça va, Damien. Moi, il y a 2 jours. En vrai, si tu perds pendant le confinement, ça va. Tu sais, tu peux rester au lit et tout. Moi, je l'avais perdu et je devais aller en cours. Je me rappelle, en cours d'SVT, je me rappelle toute ma vie, je lâchais des. Ah non! Et après, elle me disait, c'est Arnaud et tout. Elle disait, non, madame, c'est trop tabou, trop honteux, je pouvais pas. Quand j'ai dit que c'était mon glandelet, elle m'a mis 20 sur 20. Elle m'a dit, écoute, tu reviens pas, faut que tu te reposes. Tu peux pas rester avec un gros glandelet qui pend comme ça. Y a les gens, ils sont naïfs, MDR. Attends. On parle de gens naïfs. Est-ce que tu veux te taper une barre? Genre, quand on a fait la vidéo Squeezie est un reptilien, on avait eu vraiment une armée de fanboys de Squeezie, full premier degré, mais à un point incroyable, qui est arrivé et qui disait « Mais vous êtes des gros menteurs, Squeezie, c'est pas du tout un reptilien, ça se voit, vos preuves, elles sont nulles. » Vraiment, je vous jure que c'était ça, les commentaires. Genre, pour vous dire, Squeezie a retweeté la vidéo, ça a dû le faire marrer et que, voilà, tu vois, lui, il était conscient qu'il n'était pas reptilien. Vas-y, attendez, le chat, parlez pas, arrêtez de parler vite fait. Atsuko, tu nous copie-colles les meilleurs commentaires que tu vois sous la vidéo, s'il te plaît. Vous dites juste que Squeezie est un reptilien, car il a plus d'abonnés que vous. Attends, et plus d'argent, arrêtez, vous mentez, de toute façon, vous avez pas beaucoup d'abonnés, bande de tricheurs. Les gens ont 2 ans, enfin, vraiment, il y a des enfants qui traînent sur YouTube. Les gars, zéro crédible, les preuves sont nulles et mal foutues. De la dope votre vidéo, ça me fait rire. Non mais là, c'est que du fail. Vous êtes des gros dons. Vous avez mis que des effets spéciaux. Vous devrez fermer votre gueule. Et qu'il est incroyable. Putain, tous les poissons, on a un peu abusé sur encore. Attention, on est parti. Est-ce que vous êtes prêts les gars pour faire un petit tour de notre aquarium? Là, ça va être quelque chose. Hein. Mais qu'est-ce que tu prends? Mais je sais pas, Lisa, moi, on m'a dit que la musique de l'aquarium, elle faisait calme ASMR. Donc je fais de l'ASMR, c'est tout, c'est pour vous que je fais ça, par amour. C'est nique sa mère, ça me saoule. Comment vous faites pour aimer l'ASMR? Moi, ça me détend pas du tout.